Un mardi 21 février, pas comme les autres, pour l'hôpital de district de Bibemi et les femmes rurales de cette partie du pays, située dans le département de la Benoué, région du Nord, qui ont reçu un important lot de matériel, initiative des valeureuses femmes du Cercle des Amis du Cameroun. Constitué matériel médico-sanitaire, des lits d'hospitalisation, des appareils agricoles, pulvérisateurs, en passant par des machines à transformer les produits agricoles, cet important lot de matériel apportera une bouffée d'oxygène à l'hôpital de district de Bibemi. Remercions chaleureusement la première dame du Cameroun pour cet important don qu'elle nous a offert. Et ce don permettra non seulement de rehausser le plateau technique de l'hôpital et permettra donc la prise en charge de la population afin que les gens puissent vivre en santé et de mieux vaquer à leurs préoccupations. Mais aussi booster le rendement des femmes rurales. Donc j'ai reçu par maman Chantal Bia pour nous aider à aller de l'avant. Nous tous, les femmes rurales de Bibemi, associations comme JIC, on va cultiver, on va en avoir des rendements et ça va nous aider à amener nos enfants à l'école. Outre la remise de cet important lot de matériel, des causeries éducatives ont permis d'entretenir les jeunes sur la cybercriminalité. Une joie pour Dairou Darum, le chef de cet établissement, qui salue l'initiative. La représentante personnelle de Mme Chantal Bia nous a honorés en venant nous faire les causeries éducatives à nos enfants. Vous savez, de nos jours, on a ce problème de défiance dans les milieux scolaires. Donc, l'éducation passe par la mère, parce que le papa n'est toujours pas souvent à la maison. Mais avec la maman, le message passe souvent très bien. Fruit du CERAC de Mme Chantal Bia, première dame du Cameroun, ses dons vont relever le plateau technique de l'hôpital de district de Bibemi, mais aussi la production agricole des associations des femmes féministes.